Good morning, Aleïden, les étudiants aujourd'hui, les Lonishmat, Avram, Chayen, Ober, Ben Fortune et Mazal, Yedida, Batester, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Tmoura, Perek, Zain, Mishnah, Gimel. Echad Kotche Mizbeach, ve Echad Kotche Bedek Abayit, En Meshanin Otan Migdusha Ligdusha, ou Magdishin Otan Hegdesh Ilouy, ou Macharemin Otan. Vim Metu Ikaveru. Rabbi Shimon Omer, Kotche Bedek Abayit, Im Metu Ipadu. Dans tout ce chapitre, on va comparer la Gdusha. On compare la Gdusha du ce qu'on a sanctifié pour le Misbéar et ce qu'on a sanctifié pour le Bedek Abayit. C'est-à-dire, sanctifier quelque chose, je vais offrir ma montre au Bet HaMikdash. Alors, quelle est la destination d'offrir au Bet HaMikdash? Tu veux le donner pour la trésorerie du Bet HaMikdash, pour l'entretien donc du Bet HaMikdash et de toute la ville, ce qu'on appelle donc le Bedek Abayit, la trésorerie. Ou bien tu veux en faire plutôt un don pour le Misbéar, en faire une offrande à Hachem. L'offrir avec la valeur de la montre, l'offrir à un animal en corban. Ces deux destinations, ce qu'on appelle Kotche Mizbeach et Kotche Bedek Abayit, d'accord, on les compare dans tout ce chapitre. Dans les deux Mishnayot précédentes, on a évoqué la singularité, les particularités qu'on va trouver dans l'un par rapport à l'autre, les lois plus rigoureuses qu'il va y avoir dans l'un et qui ne vont pas être appliquées dans l'autre ou dans l'autre et qui ne vont pas être appliquées dans l'un. Notre Mishnah, elle va nous dire, sache que par contre, sur ces points-là, les deux sont semblables. Et ce que la Mishnah me dit, Echad Kotche Mizbeach, qu'il s'agisse des Kotche Mizbeach, de ce que tu as sanctifié pour le Mizbeach, pour en faire une offrande à Hachem. Echad Kotche Bedek Abayit, ou ce qu'il s'agisse de ce que tu as sanctifié pour la trésorerie du Bet HaMikdash, ces deux choses-là, eh bien dans les deux Ekdeshot que tu vas faire, En Meshanin Otan Mikdusha Ligdusha. Je traduis la phrase littéralement, je l'explique vite fait, mais elle n'est pas exacte. D'accord? Mais pour la bonne structure du cours, il vaut mieux d'abord mentir un petit peu, puis après on rectifiera. La Mishnah semble m'enseigner que ce que tu as sanctifié pour une destination, tu ne pourras plus le destiner ensuite pour une autre destination. Soit, j'ai décidé de donner ma montre à la trésorerie du Bet HaMikdash, puis après je me dis, non, tu sais quoi? Finalement, je vais utiliser la valeur de ma montre pour en faire un korban Ola. C'est trop tard. Tu l'as déjà donné à une destination, tu ne peux plus le changer de destination. Et apparemment, inversement, tu as décidé de donner ta montre pour en faire un korban Ola, finalement tu peux pas dire, ah ben tu sais quoi, non finalement je vais le donner à la trésorerie du Bet HaMikdash, comme ça ils vont pouvoir recouvrir de nouveau le oulam, le repeindre, peu importe. Mais c'est trop tard. Tu as donné une destination, tu peux plus le prédestiner à l'autre, lui donner une autre destination. Pour la simple et bonne raison que « En Adam Magdish Davar Sheino Shelo » Un homme ne peut pas sanctifier une chose qui ne lui appartient pas. Soit ma montre était la mienne, je pouvais en faire ce que je veux. Mais dès que je l'ai donnée à la trésorerie du Bet HaMikdash, c'est plus la mienne, c'est devenu le bien du Bet HaMikdash. Qu'est-ce que tu viens? Tu me dis, ah mais tu viens finalement, tu vas en faire un korban. T'es qui? Moi aussi, je vais prendre tout ton argent, je vais dire que je vais l'offrir au Bet HaMikdash, ça sert à rien. En Adam Magdish Davar Sheino Shelo, un homme ne peut pas sanctifier une chose qui ne lui appartient pas. Le principe, il est clair, sauf qu'il n'est pas exact. C'est-à-dire, il est vrai que ce que tu as sanctifié pour la trésorerie du Bet HaMikdash, tu ne peux plus en faire un korban. Il est vrai aussi que ce que tu as sanctifié pour en faire un korban, tu ne peux pas faire une autre espèce de korban. Tu as dit que tu allais en faire une hola, tu ne peux plus faire un shlamim, tu as dit que tu allais faire un shlamim, tu ne peux plus faire une hola. Mais il y a un cas qui fait un peu exception à moitié à la règle. C'est que si tu avais sanctifié quelque chose pour un Kotche Mizbeach, et que tu vas finalement le sanctifier pour le Kotche Bedek Abayit, alors... C'est pas que tu vas réussir à le changer de destination, c'est que tu vas lui donner les deux destinations en même temps. Ça devient délicat et c'est la suite de la Mishnah. C'est-à-dire, on va prendre un cas concret. J'avais un mouton. Je dis, ah, ce mouton-là, je vais offrir, je vais en faire un korban Ola. Très bien. Puis après, je vais dire, tu sais quoi? Ce korban Ola, je vais le donner à la trésorerie du Bet HaMikdash, au Bet HaKabayit. Je le sanctifie une deuxième fois. Alors, premièrement, ce korban Ola, il va pas devenir le bien de la trésorerie, ça c'est vrai. Parce que tu as dit que ça devait en faire un korban, tu vas le donner. Mais malgré tout, la trésorerie du Bet HaMikdash, le Bedek Abayit, il va réussir à obtenir un petit quelque chose. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne en me disant, « O Magdishin Otan Hegdesh Ilouy » Sache que tu réussis malgré tout à le sanctifier pour donner la valeur qu'il représente. Ilouy, le Ilouy Adamim, Kamashese Ole, le Ilouy. Ouais. « O Macharemin Otan » aussi, tu peux même en faire un kharem. On va expliquer, c'est le même principe pour les deux. Sauf que un, c'est pour la destination du Bet HaMikdash, l'autre, c'est pour la destination des Kohanim. C'est le même principe, et je vais prendre un exemple concret. Un korban, j'ai pris un korban d'un mouton, j'avais fait un korban Ola.
Offrir un korban ola, ouais, je sais pas si c'est le meilleur cas. Je préfère prendre un cas que j'ai fait un shlamim, d'accord? Je vous expliquerai après pourquoi. C'est plus simple. Mais on va prendre un cas où j'ai fait un korban shlamim. Alors, un korban shlamim, on a là, j'ai fait un don, j'ai dit ce korban-là, ce mouton-là, je vais l'offrir en korban shlamim. Vous savez bien que le korban shlamim, il y a à boire et à manger, il y a à manger pour tout le monde. C'est-à-dire, on va en donner un peu pour le misbéach, il va y avoir une part de viande que les Kohanim vont manger, eux ils vont même récupérer la peau aussi, et puis moi le propriétaire, je vais aussi récupérer toute la viande. Il s'avère que lorsque je possède un korban shlamim, il est vrai que le korban c'est devenu, que l'animal c'est devenu un korban, il ne m'appartient plus de, sous cet aspect-là. Il m'appartient partiellement malgré tout parce que j'ai quand même un droit de, le droit de le manger, de l'offrir en korban. Ça, c'est mon korban. À la différence de lorsque je fais un don à la trésorerie du Beth Amikdash, je m'en déconnecte complètement. Et bien lorsque je fais un don pour en faire un korban, ça reste mon bien que j'offre au Misbéach. Au contraire, c'est pas que je me déconnecte de lui, c'est qu'il reste le mien, c'est moi, et je vais offrir une partie de moi au Beth Amikdash. Je garde des droits en l'occurrence. Par exemple, j'ai pris un cas d'un shlamim, c'est de manger la viande. Il y a même le cas d'un hola, c'est un peu plus délicat. Mais parce que le hola, on va offrir la viande entièrement à Hachem, c'est vrai. Mais les Kohanim qui sont en ce moment en train de... qui sont la ronde des Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash, ils ont le droit de récupérer la peau. Ça coûte de l'argent, on peut faire du cuir avec. Et donc voilà, donc il s'avère qu'il y a quand même une certaine valeur marchande. On ne va pas compliquer. C'est un peu plus délicat, mais en tout cas, il y a une certaine valeur marchande à cette peau. Il y a un intérêt. Il y a même mieux que ça. D'accord ? On va d'abord s'arrêter là et exprimer d'abord ce que la Mishnah est venue enseigner. Donc, tu as un certain droit. Eh bien, sache que lorsque tu as sanctifié ton animal pour en faire un korban, et qu'après tu avais donné sa valeur au Bedek HaBayit, eh bien, la valeur marchande de ce petit, de ce profit que tu pouvais profiter d'un korban, qui n'est plus la valeur d'un mouton, mais il y a quand même une certaine valeur. Si c'est un korban shlamim, comme le cas que j'ai évoqué, eh bien, j'imagine que ça doit quand même coûter... ça doit coûter, je ne sais pas combien, peut-être 500 shekels, au lieu de 1000 shekels pour un mouton, ça doit coûter 500 shekels pour pouvoir amener un korban à Yerushalayim et manger de la viande. Lorsqu'on arrive à Yerushalayim, il faut bien manger un petit quelque chose. Eh bien, comme ça, on récupère la viande, on peut le manger, donc ça coûte quand même de l'argent, ça coûte plus le prix d'un mouton. Bien, cette différence-là, lorsque tu vas sanctifier ensuite, pour la trésorerie du Beth Amikdash, un korban, après en avoir fait, après l'avoir prédestiné à être un korban, eh bien, cet ajout-là, tu vas pouvoir le sanctifier, le faire un Hekdesh Ilouy. Donner la valeur, la valeur supérieure, je ne sais pas comment dire, la différence, en tout cas, la différence de valeur, la prendre et puis la donner au, donner cette différence-là, donc, à la trésorerie du Beth Amikdash. Ou encore, ça, on a expliqué, donc, au Magdishin Otan de Ekdesh Ilouy, on se rapporte, comme le Barthénoï nous le dit tout de suite, au Magdishin Otan, on se rapporte sur les Akotche Misbeach, sur ce qu'est les Akotche Misbeach. Alors, eux, tu vas pouvoir leur faire ce qu'on appelle le Ekdesh Ilouy. Donner la différence, le supplément du prix, du profit, tu vas pouvoir malgré tout le donner au Hekdesh Ilouy pour le Bedek HaBayit, ou bien encore au Macharimi Notan, ou bien même si tu décides d'en faire un don pour les Kohanim, comme un Kherem qu'on évoquait dans la fin de Masechet Erechim, on évoquait les Charmei Kohanim, c'est que tu as décidé de prendre une chose et de dire je m'en déconnecte complètement, je l'offre au Kohanim. C'est un don, une sorte de don qu'on fait au Kohanim, et bien aussi tu devras donner cette différence, d'accord? Le Barthénoï rallonge beaucoup pour évoquer une différence entre un Neder et une Nedava. Je préfère éviter d'alourdir le cours davantage. La base, elle est expliquée de toute façon clairement. Il y a juste des petites nuances, comment calculer le profit, parce que des fois, le profit, on peut manger de la viande, mais des fois, il n'y a même pas de viande à manger, mais des fois, ça représente beaucoup plus pour moi. Il y a des différences entre ce que c'est un Neder ou une Nedava. J'esquive, j'évite le problème. Lisez le Barthénoï si ça vous intéresse, c'est pas compliqué. Et la Mishnah, maintenant, entame un deuxième sujet. Veim Metu, on continue à comparer donc les Kotche Bedek HaBayit et les Kotche Misbeach, on continue à les comparer tous les deux, et en disant que Veim Metu, quels que soient les deux, Im Metu, s'ils sont morts, eh bien, Ikaveru, il faudra les, ils devront être enterrés. C'est-à-dire, on se rapporte soit d'un cas d'un Korban qui est mort naturellement, première éventualité, un Korban, il y avait un Korban qui est, donc, qui est mort. La question maintenant, c'est lorsqu'on a un korban qui meurt, alors on doit en théorie le prendre. Non, excuse-moi, un korban où il y a un défaut. Un korban où il y a un défaut, par exemple. Alors on connaît bien la règle, il faut prendre la gudusha, la racheter, la transférer sur autre chose, et l'animal, après, on aura le droit de le manger. La Mishnah vient évoquer maintenant un cas où il y avait, par exemple, un animal qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec cette viande?
Alors on a déjà évoqué un peu le principe à la fin du Pérec précédent, le Pérec Vav. On avait évoqué qu'on ne peut pas le racheter pour l'offrir, pour le donner à manger au chien. Et c'est le même principe qui explique, qui est rapporté ici, Vemetu ikaveru. S'il meurt, eh bien, il faudra les enterrer, tu ne pourras plus en tirer profit. J'explique de nouveau de manière un peu plus grossière et fausse, pour éviter les problèmes, après on va rentrer dans une petite finesse. Donc, la Mishnah enseigne donc, tu avais un animal qui était un korban, il est mort naturellement, tu ne peux plus le racheter et utiliser sa valeur pour en faire quelque chose, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu vas faire après avec la viande? Tu ne vas pas pouvoir la donner à manger au chien. Ouais, on a appris, Tisbar velo giza, basar velo chalav, ve'achalta velo lekalbecha. C'était mamash. La fin du Perek Zaev Vav, j'ai lu dans le Bartenora qui nous rapportait la dracha qu'on n'a plus le droit d'utiliser ce nom pour la manger au konim. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'il y a une petite discussion sur ça, qu'en réalité, il y a un avis qui pense qu'on a le droit de racheter la viande pour donner à manger au chien. Il n'est pas d'accord avec cette partie de la dracha d'expliquer qu'on n'a pas le droit de donner à manger au chien, mais malgré tout, il pensera que cette fois-ci, lorsqu'il meurt, et que c'est un coach chez Bedeka Bait, on ne pourra pas non plus le racheter. Pour quelle raison? Il y a une halakha pour le coach chez Bedeka Bait qu'il faut pouvoir les mettre debout pour que le Kohen lui fasse l'estimation pour savoir combien est-ce qu'ils valent. C'est-à-dire, si je veux sanctifier un animal, on va prendre un cas, c'est plus facile de sanctifier un animal, un âne. Il y a une halakha que je vais devoir amener cette âne devant le Kohen, et le Kohen va. Mido ve richo, la Torah l'a dit. Il le mettra debout et il l'estimera. Il faut le mettre debout. Et s'il meurt, il ne peut plus tenir debout. Alors, il y a une halakha pour les animaux, que lorsqu'un animal meurt, eh bien, il est plus bar à Amada et à Racha. Tu ne pourras plus lui faire une estimation parce que le Kohen ne peut plus le mettre debout. C'est une Gerata Ketuv. D'accord? Ça, c'est le premier avis. Vimetu ikavru, donc on a deux raisons pourquoi. S'il meurt, il faudra le tuer. Parce que, premièrement, tu peux, avec la viande, tu ne peux plus en faire. Tu ne peux plus le racheter pour le donner à manger au chien. Mais en réalité, cette Racha-là, elle n'est pas parfaite. Cette explication, elle n'est pas complète. Parce qu'il y a aussi le cas du Bedeka Bait, par exemple, où tu as le droit de donner à manger au chien, on l'avait appris plus haut. Mais il y a malgré tout un autre problème, c'est qu'il faut quand même pouvoir le mettre sur pied, le mettre debout pour pouvoir l'estimer. Or, un animal mort, tu ne peux plus le mettre debout pour lui faire son estimation. Et sur ce point-là, Rabbi Shimon discute et n'est pas d'accord. Rabbi Shimon enseigne, Kotche Bedeka Bait immetu ipadu. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur les Kotche Bedeka Bait, ce que tu as sanctifié pour la trésorerie du Beth Amikdash. Pour pouvoir les racheter, d'abord, tu as le droit de les racheter pour donner à manger aux chiens, il n'y a aucun problème. Et si c'est le problème de les mettre debout de Ve'emido Ve'ericho, eh bien le Ve'emido Ve'ericho, ça a été dit spécialement sur les coachés Mizbeach et pas sur le coaché Bedeka Bait selon Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il nous dit Rabbi Shimon, donc quand tu as sanctifié un animal, un âne, un chien pour le Bedeka Bait, pour la trésorerie du Beth Amikdash, même s'il meurt, tu pourras, le Kohen pourra donc fixer le prix, lui faire une estimation de prix, et donc le propriétaire le rachètera pour ensuite donner sa viande à manger au chien ou à qui il veut, et il n'y aura plus de problème, parce qu'il n'y a plus de halakha, donc, sur le coaché Bedeka Bait, de le mettre debout sur pied, que sur le coaché Mizbeach. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.